Les marmailles, c'est tes collègues qui t'ont mis à la tête là-bas. Sinon, si on doit voter là. Mais tu connais que tu ne peux pas gagner en Côte d'Ivoire. Tu as gagné comment? Toi, tu as gagné devant Didier Drogba comment? Tu ne peux pas gagner Didier Drogba. En élection, en matière de football, tu ne peux pas gagner. Mais c'est par les marmailles, par des magouilles que tu as été là. C'est vrai qu'on ne peut pas t'enlever aujourd'hui parce que tu as été élu. Il n'y a pas de problème. Donc tu fais ton mandat tranquillement. Mais il faut écouter le peuple. Il faut écouter le peuple. Tu as vu comment tu as été humilié au stade? Il faut écouter le peuple. Un entraîneur qui gagne la CAN, ce n'est pas l'entraîneur brandi en l'air. C'est le président de la fédération de football qu'on brandit en l'air. C'est-à-dire qu'il veut se montrer partout, ce président-là. Il veut se montrer partout. C'est lui qui fait les discours. On a pris la canne, c'est lui, on soulève en l'air. Il est tout partout. C'est lui qui écrit les discours pour donner à Max Gradel. Lui aussi, avec sa taille, on dirait, comment dirais-je, la queue de caniche, là. Lui aussi, il vient, non, les Ivoiriens nous ont abandonnés. Non, c'est le président seulement qui était avec nous. Le président était avec vous. Maintenant, ceux qui ont payé leur ticket pour aller au stade là, est-ce que vous avez remboursé leur argent? Est-ce que vous avez remboursé leur argent? C'est comme ça, respecter les supporters, respecter les Ivoiriens. On s'est battu comme les Camerounais, on s'est battu contre les Sénégalais, on s'est battu contre les Guinéens, on s'est battu contre les Maliens. Les Maliens nous ont insultés ici, on les a répondu. Hein? Les Sénégalais aussi. Tête à tête, on les a insultés, ils ont nous insultés. On a défendu notre équipe nationale. Les Maliens sont venus, ils ont défendu le Mali. On a défendu notre équipe nationale. Pour gagner CAN maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter en haut là-bas pour dire non, merci aux supporters. Franchement, ce que les supporters ont fait, ça a été bien. Franchement, grâce aux supporters, franchement, on est arrivé un peu loin. Franchement, merci aux supporters. Franchement, fait plaisir au peuple ivoirien. Malgré la scène était difficile au stade, malgré les tickets étaient chers. Mais en tout cas, les supporters ont fait le mieux. Mais personne n'a félicité les joueurs, les supporters. C'est pas bien, faut pas être ingrat. Faut pas être ingrat. Voilà. Nous, les supporters, on a joué un rôle. Même sur TikTok, même sur Facebook. Le combat, c'était sur Facebook. Le combat, c'était sur TikTok. On a défendu l'équipe nationale. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire non, on a laissé l'équipe nationale. Tous les Ivoiriens ont soutenu. Malgré le président qui est là, on ne l'aime pas. Mais on a soutenu notre équipe nationale. Même le président qui est là, seulement moi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. La place qu'il occupe là, ce n'est pas sa place. Voilà, ce n'est pas sa place. Mais j'ai soutenu mon équipe nationale. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai soutenu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais ça n'a rien à voir avec le président qui est là. Parce que le président va partir, l'équipe nationale va rester. C'est tout. Donc, on a soutenu notre équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a gagné la CAN. On était content. Normalement, on doit féliciter les Ivoiriens. Au lieu de brandir un président en l'air, là, on doit féliciter les Ivoiriens. Ah, les Ivoiriens, franchement, vous avez soutenu votre équipe nationale. C'est comme ça se passe. Maintenant, l'entraîneur Faye, là, on devait le brandir en l'air pour le montrer au monde entier, pour dire qu'on a eu un bon entraîneur. On a eu un bon entraîneur comme Faye Emes. C'est ça. Aujourd'hui, il est l'entraîneur. Il est l'entraîneur de Côte d'Ivoire. Bah, Dieu merci. Dieu merci. Il est entraîneur de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Dieu merci. Voilà. Il est entraîneur de Côte d'Ivoire aujourd'hui. On est content. En tout cas, moi, je suis content. Je dis merci à présent, actuel, parce que s'il ne voulait pas, il n'allait pas être président, entraîneur. Donc, je dis... Bonsoir, Dozo. Ouais, Zoom, comment tu vois? Parce qu'il a choisi Faye Emes. C'est tout. Moi, je le dis merci. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut avoir le courage de le dire qu'il a fait, c'est bien. Maintenant, après, son comportement, moi, je m'en fous. Voilà. C'est quoi le débat? Faye a fait quoi? Non, ils l'ont mis comme entraîneur titulaire. Franchement, je suis content. Donc, je dis merci au président. Voilà, parce qu'il avait démissionné, maintenant ils l'ont mis comme entraîneur titulaire maintenant, c'est lui qui va entraîner la Côte d'Ivoire maintenant, on peut pas aller chercher un autre quelqu'un encore pour venir entraîner la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est bon, c'est bon quoi.